Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something's kinda fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Allô tout le monde, on se retrouve dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout que je vous ai pas vlogué. Mes cils ont l'air fous là. Bon, vous entendez peut-être la télé en arrière là, parce que Gab est en train d'écouter une vidéo YouTube dans le salon, puis dans le salon il y a comme une barre de son, fait que même quand on baisse le son, on dirait que ça porte là. Ouais, ça fait un petit bout que je vous ai pas parlé. La dernière fois que je vous ai parlé, c'était la semaine passée, c'était plus qu'une semaine. Puis vous allez avoir un délai entre la publication des derniers vlogs, parce que d'habitude, je fais mon montage le lundi soir et le jeudi soir. Puis là, jeudi dernier, au moment où je vous parle, là, on est lundi. Jeudi dernier, Marie, ma soeur, a dû se rendre à l'hôpital en soirée. Donc, je suis allée garder Emma. Puis c'était comme pas prévu, évidemment. Fait que j'ai pas fait de montage ou quoi que ce soit. C'était comme une situation un peu... comme vous savez, elle est enceinte et tout. Fait que c'était comme... je rentrerai pas dans les détails là, pour le moment. Si elle veut, elle le fera éventuellement. Mais en gros, on travaille fort pour garder le petit bébé en dedans aussi longtemps que possible. Fait que c'est ça. Puis elle est restée à l'hôpital pendant 5 jours. Puis là, c'est aujourd'hui que je recommence à vlogger parce qu'elle est sortie tantôt. Je suis allée la chercher à l'hôpital et la porter chez elle. Fait que bien contente de ça. Les derniers jours, on tournait beaucoup autour de ça. Ce week-end, je suis allée la visiter, chercher à dîner, etc. Fait que ça a beaucoup tourné autour de ça. Puis là, ben, Marie est de retour à la maison, mais elle ne pourra pas être seule. Elle va devoir être accompagnée 24 heures sur 24. Donc, vous comprendrez que la logistique de la chose impacte un peu tout le monde, dans le sens où, ben, tu sais, Sam travaille. Fait qu'il ne peut pas rester à la maison avec Marie. Marie travaille aussi en ce moment, mais elle est en télétravail. Pour ceux qui ont écouté le vlog là, dans le post-mess qu'elle a fait, elle expliquait comme qu'elle travaillait de la maison, elle était comme réaffectée, réassignée, je sais pas trop comment on appelle ça. Puis c'est ça, puis moi ben, je suis en télétravail, fait que c'est moi qui vais aller passer du temps, ben moi principalement, là, je vais aller passer du temps avec Marie durant le jour quand Sam sera pas là. Fait que c'est sûr que ça impacte quand même mon horaire, puis je l'ai su comme aujourd'hui, puis tu sais, on commence demain. C'était comme une raison pour qu'elle puisse sortir de l'hôpital, fait que tu sais. C'est sûr que j'aime mieux qu'elle soit chez eux. Puis elle aussi, elle aime mieux être chez eux, même si elle est toujours avec quelqu'un. Fait que dans le fond, demain, je vais devoir être chez eux à 7h. Je vais être là jusqu'à temps que Sam arrive. Fait que c'est ça. Fait que là, ben là, j'avais pas de lunch. Je suis en télétravail, là. Fait que là, je suis comme... ah! Fait que je suis en train de me cuisiner des petites patates pour un déjeuner demain. Puis pour le reste de la semaine. Ben, le reste de la semaine. En tout cas, 2-3 matins cette semaine. Parce que je sais que je vais vouloir arrêter de me chercher un déjeuner, c'est sûr, c'est sûr. Fait que je vais essayer, tenter d'économiser, de me faire des petits déjeuners. On va aller à l'épicerie ensemble, moi puis Gab, tantôt, parce que je devais y aller à soir. Mais là, finalement, je suis allée chercher Marie à l'hôpital. Fait qu'on va y aller ensemble tantôt, pour que demain, je puisse être ici demain soir. Puis là, je suis en train de me faire... d'ailleurs, il va falloir que je retourne dans la cuisine. Je suis en train de me faire des pâtes pour souper. Je suis allée chercher du Saint-Tube à Gab. Parce que pauvre petit, toutes les soirs, la semaine passée, j'avais de quoi, si vous vous souvenez dans mon dernier vlog, j'avais de quoi toutes les soirs. Puis en fait, j'ai pas vraiment été là. Fait que là, je trouvais ça triste, pauvre petit. Fait que j'étais allée chercher du petit Saint-Hubert. Moi, j'avais pas vraiment le goût, fait que je me fais des pâtes. Puis je m'en fais pour demain midi en même temps pour pouvoir dîner chez Marie. Fait que, ouais, ça ressemble à ça. Je vais vous montrer ce que je vais avoir cuisiné, mais là, mes pâtes sont sous le rond. Fait que je vais aller m'en occuper tout de suite. Fait qu'on se retrouve plus tard. Là, mon sel est sur le air fryer, c'est pour ça que j'ai l'air haute de même. Fait que pour souper, comme je vous dis, je sais pas si je vous avais dit, mais j'ai fait, là, ça a l'air de rien parce que c'était refroidi au frigo. Mais, ah, je suis blanche, là! Mais c'est ça, fait que ça a l'air de rien, là. Vu que ça a été refroidi, on dirait que c'est tout sec. Mais j'avais fait les genres de pâtes TikTok avec du boursin et des tomates. Puis j'avais fait deux portions pour en avoir une ce soir et une demain midi. Mais ça, je vous l'avais dit. Puis là, je vous avais dit, je m'étais fait cuire des petites patates comme ça dans le air fryer. J'ai mis des petites épices dessus. Mais là, je voulais faire ça puis me mettre un œuf par-dessus. Puis j'ai rasé qu'on n'avait plus d'œuf. Je les avais finis en faisant les œufs à Gab. Fait qu'en tout cas, fait que là, on est allé à l'épicerie. Fait qu'on a pris une douzaine d'œufs. Dans le fond, j'ai comme pas fait l'épicerie cette semaine, vu qu'en fin de semaine, j'étais à l'hôpital avec Marie. Fait que je sais pas trop de quoi ça va avoir l'air notre semaine. J'avais quand même acheté des trucs la semaine passée qu'on n'a pas mangé. Fait qu'on va essayer de faire avec ce qu'on a. Puis sinon, ben, on retournera à l'épicerie. J'ai acheté des petits crispy mini tortillas comme ça pour m'amener en collation chez Marie si j'ai faim, genre demain après-midi, whatever.
Ça, c'est juste parce que j'aime bien ça une fois de temps en temps, de la petite eau pétillante. Gab s'est pris 3 boissons énergisantes. Crazy, crazy man. Pas toi, Gaston. J'ai pris des biscuits avoine et pépites de chocolat sélection. J'ai pris des biscuits collation vin jaune. Sérieux, ça, je trouvais ça un choix de poche, là. Mais bon, il aime ça, les petits biscuits secs. Du lait. De vache. Puis, j'ai pris un petit Coca-Cola sélection. Fait que c'est nos petits achats, ça nous a coûté 16$. Fait qu'on a été full raisonnable. Genre, quand on partait pour l'épicerie, j'étais là, Gab, on va être raisonnable à l'épicerie, là. Fait qu'il était là, oui, oui, oui. Fait qu'il a hésité, là, pour choisir ses sortes de biscuits. Genre, pour choisir la bonne affaire, là, pour être sûr de ne pas regretter, là. J'ai même dit à Marie, on aurait dû amener nos chaises de camping pour s'asseoir dans l'allée. Mais en tout cas. Fait qu'en plus, genre, il voulait ça, ou des biscuits, genre, socialité. Je cache pas. Je cache pas le hype, mais en tout cas. C'est bon dans le lait. C'est bon dans le lait, ça a l'air. Fait que, qu'est-ce qu'il faut aimer le lait? Fait que voilà, je pense pas vraiment vous reparler ce soir. Je vais essayer de vous reparler demain matin quand je vais être en direction de chez Marie. Fait que je vais quand même devoir me lever un petit peu plus tôt. J'ai comme parlé vite, un petit peu plus tôt, un petit peu plus tôt, mais c'est pas grave. Puis j'ai parlé avec mon père, puis quand il va être en congé, il va alterner avec moi pour aller chez Marie. Fait que voilà. Ah, puis je me suis déjà fait couler mon café pour demain matin parce que je vais pouvoir me faire un petit café glacé pour la route. Bon matin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain, comme je vous avais dit. Voyons. Je vous avais jamais montré le chien à ma soeur pis Sam. Abby! Abby! Genre, c'est le genre de chien que je dis toujours qu'elle est comme tellement à l'aide qu'elle est cute, là. En tout cas. Il la garde, là, temporairement. C'est pas vraiment leur chien. Fait que c'est ça, je suis rendue chez Marie. Marie est partie se coucher. Ben, en fait, elle était couchée sur le divan, puis elle a migré dans son lit. Fait que c'est pour ça que je parle pas trop fort. Il est présentement 8h45, fait que j'ai commencé à travailler. Ça fait déjà un bon moment. Je me suis assise devant des vlogs. Comme chez nous, dans le fond, j'ai comme un Alexa avec un... C'est le Alexa... D'ailleurs, vous me demandez souvent, mais c'est genre le Alexa Echo Show 7 pouces. 8 pouces? En tout cas, le gros. Fait que c'est quand même un bon écran, là. C'est l'équivalent d'un iPad environ. Mais la caisse de son là-dessus est incroyable. OK, des fois, là, quand je pars un vlog puis qu'il y a trop de bass, genre mon bureau vibre au complet. Fait que, check là. Hey! Non. Doucement, là. Oh, la pauvre. Il est tellement laid qu'il est cute. Elle respire comme un petit cochon, comme vous pouvez entendre. Ouch! Non, Abby. Fait que c'est ça. On dirait qu'elle sait que je parle à quelqu'un. Fait que là, elle s'excite alors que depuis tantôt, elle dérange pas en tout. Là. Fait que c'est ça. Je suis arrivée assez tôt chez Marie. Fait que comme je vous disais, j'ai commencé à travailler. Ça fait un bon petit bout. Puis je me suis mis un vlog comme je fais chez nous. C'est ça, je voulais dire. Terminer mon point. D'habitude, sur mon bureau, il y a pas mal de temps qu'il y a quelque chose qui joue, un podcast ou quelque chose, parce que sinon, j'arrive pas à me concentrer. Puis ici, c'est silence. Là. À part Abby qui respire comme un cochon, c'est vraiment silence. Fait que moi, j'ai besoin d'avoir du petit bruit en arrière, fait que je me suis mis un petit vlog. Puis j'avance déjà dans mon travail. La seule affaire, c'est que je suis quand même fatiguée. J'ai eu de la misère à me coucher hier parce que j'avais peur de pas me lever le matin. Parce que, tu sais, quand je vais au lab, je me lève sensiblement à la même heure. Mais, tu sais, si jamais je pars plus tard ou je me lève un peu plus tard ou whatever, c'est pas grave. Mais là, il fallait que je sois ici. Attends. Fait que je suis arrivée bien flush. Je me sentais vraiment mal. D'habitude, je suis pas mal plus d'avance que ça. Mais bon, c'est pas plus grave. Fait que c'est ça. Fait que je suis installée pour travailler. Je sais pas si Marie va vouloir vous jaser tantôt. Je me suis amenée un petit lunch puis un déjeuner. Un déjeuner puis un dîner. Cet après-midi, je resterai peut-être pas ici. Parce que Marie a le rendez-vous à l'hôpital de toute façon à comme 2h. Fait qu'elle va partir d'ici à genre 1h parce que je vais mettre parking. Puis elle va être là-bas au moins 1h. Fait que ça va la mettre à 3h. Elle va s'en revenir ici sans m'arriver vers 4h. Fait que comme elle aura sûrement pas vraiment besoin de moi. Fait que ça risque de ressembler à ça pour ma matinée. Fait que je vais vous faire un petit update peut-être tantôt quand Marie va être réveillée. Je me fais cuire mon petit œuf rapidement. J'ai mis mes patates dans le micro-ondes. Puis je vais ajouter de la sriracha. Ma soeur a de la vraie sriracha chez eux.
Moi, il n'allait plus à mon épicerie depuis longtemps. Fait que j'avais acheté une autre marque. Mais là, c'est interminable, ce genre de contenant-là. Là. Puis la mayo, évidemment, parce que je mange tout avec la mayo dans la vie. Puis j'ai oublié de vous dire de quoi, de vraiment important. Mais dans les prochains mois, il y aura du changement sur ma chaîne. Parce que ça fait des mois que je vous parlais de m'acheter une caméra de vlog. Et là, let's face it, OK? Avec les travaux qui s'en viennent à l'extérieur et tout, genre, la réalité, c'est que j'ai pas les moyens de m'acheter une caméra de vlog. Fait que j'étais comme en train de faire mon deuil peu à peu, même si ça me brisait bien gros le cœur. Puis c'est pas parce que je veux pas puis que j'économise pas, c'est juste parce que c'est pas la priorité. Tu sais, YouTube, ça me rapporte pas vraiment beaucoup de sous. Fait que je suis pas prête à mettre... En fait, j'aimerais ça. Si j'avais l'argent, je le ferais direct. Mais pas au détriment, tu sais, de finir ma maison et tout. Puis je suis sûre que vous comprenez, là. Puis en même temps, vous m'avez jamais dit que la qualité était dégueulasse ou peu importe. Mais j'aimerais vraiment ça, avoir une caméra. Puis, dans le fond, mon ami Kevin Routier, que vous connaissez probablement déjà, lui, il avait la caméra exactement celle que je voulais m'acheter. Parce que c'est ça, je vous l'avais déjà dit, là, j'avais spoté mon modèle, je suis allée le voir en magasin, je savais ce que je voulais. Il me restait juste à l'acheter. Puis, lui, il avance parce que Kevin, si vous écoutez ses vlogs, lui, c'est comme de qualité professionnelle, son affaire. Fait que lui, il change de caméra parce qu'il trouve que cette caméra-là, l'image est comme pas assez belle et tout. Mais tu sais, en plus, moi, c'est une caméra de vlog. Là. Fait que tu sais, c'est plus que je pense que Kevin a des standards vraiment, vraiment hauts. Puis quand on regarde ses vlogs, on voit pourquoi puis on comprend pourquoi. J'ai pas sa patience ni son talent. Mais tout ça pour dire qu'il vendait sa caméra de vlog. Chloé m'avait dit ça quand on est allé souper lundi. Fait que là, j'étais comme, oh my god, c'est sûr, j'y ai écrit. Fait que j'y ai écrit. Puis, il fait un full beau prix. Fait que genre, c'est grâce à lui. Mais c'est ça. J'ai acheté une caméra de vlog à Kevin. Je l'aurai pas tout de suite parce que, comme vous savez, Kevin est à Sherbrooke. Moi, je suis dans le coin de Québec. Puis, je ferai pas la route juste pour la caméra. Puis, en même temps, je veux pas qu'on la ship pour pas qu'il arrive quoi que ce soit. Puis que ça coûte cher de transport anyway. Fait que je suis pas pressée, je me dis, gars, ça va faire 2 ans que je filme avec mon sel. Je peux toffer quelques mois, puis prochain coup que Kevin. Mais là, il vient juste de venir, fait que c'est un peu poche, là. Prochain coup qu'il vient, ou prochain coup que je me déplace dans ce coin-là, ben, j'irai chercher la caméra. Fait que vraiment excitée de ça. Je sais pas à quel point que pour vous ça va faire une différence, mais moi, j'ai vraiment hâte. Comment il marche dans son micro? Ouais. Fait que c'est ça, fait que j'ai trop trop hâte d'avoir une caméra de vlog. J'espère que vous êtes autant excités que moi d'avoir une caméra de vlog. Je vais vraiment être comme une vraie youtubeuse, là. Je vais avoir une caméra de vlog. Noum noum noum. Ça paraît pas, mais en dessous, il y a mes patates puis de la mayo. Excusez, je suis pas gauchère. Ah, c'est sûr, je vais faire un dégât. Fuck off. Hey, je suis blanche fluorescente, là. Hier, j'étais pas maquillée, puis aujourd'hui non plus. Je laisse ma peau respirer. D'ailleurs, souvent, les gens, ils sont comme étonnés là, quand je dis que j'ai une peau normale à mixte. Tout le monde est comme, t'as pas une peau mixte? Parce que quand je me maquille, ma peau ne brille pas. Parce que j'utilise des bons produits, la gang. Mais quand que je me maquille pas, ben, vu que je mets pas de poudre dans mon visage, ça laisse sortir mes huiles naturelles. Fait que je sais pas si, genre, on va pouvoir le pick up comme faut, genre, à la caméra. Mais, I have oily skin. Non, mais j'ai plus combo skin, là. Fait que genre, tu sais, j'ai des ondes vraiment moins grasse que d'autres, comme vous pouvez le voir. Mais pour vrai, ça me dérange pas parce que les peaux qui produisent un surplus de sébum ont tendance à vieillir un peu moins vite. Fait que une chance, imaginez comment j'aurais le front plissé si j'avais pas la peau qui produit un surplus de sébum. Fait que comme je vous disais, Marie est partie à son rendez-vous. Finalement, j'ai demandé si elle voulait faire un petit update, puis elle était comme, ah, j'ai pas la force. Mais je comprends là, dans le sens que tu sais, même si elle est revenue chez elle en ce moment, mais les derniers jours, elle était quand même à l'hôpital puis elle dormait pas très bien. Fait qu'elle était vraiment fatiguée puis elle a besoin de se reposer. Fait que c'est bien correct. Fait que là, elle est partie à son rendez-vous chez le médecin. Moi, j'ai dîné en vitesse. Fait que là, je vais prendre le reste de ma pause de dîner pour retourner chez moi. Fait que je suis bien contente de faire comme une demi-journée chez Marie pour la première journée que je viens chez elle. Dans le fond, ça va me permettre de ease into it rapidement. Fait que, est-ce drôle, elle a gardé tous ses petits jus genre à l'hôpital? De même. Puis là, elle va les donner à Gab. Gab, il aime bien ça, le jus, entre autres, le jus d'orange. Puis moi, ben, j'achète jamais de jus d'orange. Parce que I don't like that. Fait que c'est ça, je ramasse mes affaires vite, vite pour pouvoir aller travailler le reste de l'après-midi chez moi. Je
matin, crime qui fait clair. On se retrouve plus tard, je suis chez nous, j'ai fini de travailler, il est rendu 6h10. Puis, je viens de recevoir un colis Amazon. Je vous avais dit que j'avais un problème mental avec les Tumblr puis que je m'en étais acheté genre 4 il y a 3 semaines. Mais j'en avais acheté un autre en même temps puis j'attendais qu'il soit livré, ok? Mais je pense que vous comprenez pas. Genre, il y avait une image qui montrait un Tumblr d'une grosseur tout à fait normale, ok? Genre ça, c'est un de ceux que j'ai déjà. Grosseur parfaitement normale, on s'entend? Là, il fait comme soleil, là, c'est le coucher du soleil. Mais genre, une grosseur normale, régulière. J'ai reçu. J'ai reçu celui qui me manquait. Non, ça se peut pas, là. C'est vraiment trop gros, là. C'est fucking gros. Genre, tu sais, déjà ça, mettons, c'est pas comme une tasse à café régulière, là. Une tasse à café, une tasse s'arrêterait là, peut-être. J'en connais une qui va être hydratée! Malaise. Puis, je rentrerai pas dans les détails parce que j'en ai parlé sur Instagram, mais j'ai reçu aussi le nouveau livre de Pratico Édition qui est Je jardine, qui parle des fleurs, du potager et tout. J'ai vraiment hâte, ok? Parce que comme vous savez, on va faire la cour cet été. Fait qu'il parle entre autres des plantes, quoi mettre autour d'un spot à feu, quoi mettre proche d'un endroit où on mange, quoi mettre sur les côtés de l'allée des autos, quoi faire avec les insectes nuisibles, qu'est-ce qu'on fait avec les mauvaises herbes, blablabla. Fait que vraiment cool, sérieux. Puis c'est des trucs sans entretien ou presque. Fait que vraiment contente, moi qui n'ai pas le pouce vert pantoute. Puis là, il a fallu que je retourne à l'épicerie. Je suis tellement découragée. Genre, à soir, on voulait manger de la salade de tacos. Puis ma salade était dégueulasse, celle que j'avais dans le frigo. Fait que j'en ai racheté. Fait que tant qu'à y être, j'ai racheté du brocoli, concombre qui est en spécial. J'ai aussi pris des câpres qui est en spécial. Les piments étaient pas chers par le fait même. Hey, sérieux, les couleurs à cause du soleil. Puis comme j'ai racheté full salade, j'ai racheté la vinaigrette César. Ce soir, pour la salade taco, j'ai pas de crème sure, mais j'ai décidé d'acheter du yogourt nature comme ça en petit paquet. Ça va mieux se conserver. Les câpres, je n'ai pris deux vu que c'était pas mal en spécial. Les Yop qui étaient en spécial, puis qu'on avait oublié d'acheter hier. Fait que Gab n'avait pas ce matin. Donc, c'est pas mal ça. Je vais aller cuisiner le souper parce que j'ai très faim. Mon Dieu! J'ai fini la salade aux tacos. Ça a l'air de tellement rien, là. Il y a comme de la salsa, le yogourt nature en dessous, les petits maïs, la viande végé sur le top. J'ai mis 3-4 jalapeno, puis j'ai écrasé des chips dedans. On dirait une grosse montagne de chips, mais en réalité, en dessous, c'est de la salade, là. Je pense que ça va être bien bon. Bon appétit! Je suis tellement off, là! C'est que je suis frue. Genre, on a tout préparé nos papiers d'impôt. Tantôt, puis j'étais genre vraiment pas motivée. Moi, des affaires de comptabilité, genre autant j'étais à mon affaire, autant que l'impôt. Tu sais, là, à l'heure où on se parle, on est le 22, le 21 mars. Moi, je suis tout le temps genre dernière minute dans ces affaires-là. Puis pourtant, genre, je suis une fille quand même structurée. Mais non. Pas dans les affaires d'impôt. Puis là, j'étais comme à Gab, oh my god, tu sais, on se craint ça à soir parce qu'on s'était dit demain. Mais là, je me suis dit, oh, on fait ça à soir. Puis quand on va finir, on va chercher un cornet au chocofave. Fait que là, grosse motivation, on a tout fait. On est allé même chez mes beaux-parents imprimer les papiers qui nous manquaient et tout. On arrive au chocofave. C'était fermé. C'était fermé. Ils sont plus ouverts le lundi, mardi. En fait, ils l'ont peut-être jamais été. C'est juste que ça a tombé que c'est la première fois que j'ai allé lundi mardi. Attends. Je suis tellement off, aussi que je suis off. En tout cas, pas grave, là, vous allez me dire, c'est pas la fin du monde, mais c'est juste que j'étais vraiment mindée, genre, depuis comme 4 heures que je suis comme, ok, on fait genre les affaires d'impôt, puis après on va aller chercher de la crème glacée. RIP! Ah, c'est que je suis off. Dans un tout autre ordre d'idée, trouvez-vous que mes cheveux sont jaunes? Genre, ils sont pas aussi blancs qu'avant. Mais tu sais, je sais que la confesse, elle m'avait dit que. Ils n'allaient pas revenir aussi blonds qu'avant une seule fois, comme on les avait foncés, sans les briser. Je suis bien d'accord avec ça. Mais là, ils ne sont pas juste plus foncés, ils sont jaunes. C'est pas dans ma tête, là. Je ressemble un peu à Malfoy. Trouvez-vous que je ressemble à Malfoy? Vous me direz ça dans les commentaires. Be honest. Be honest, mais genre, stay nice, là, s'il vous plaît. Ah, là, 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 là. Il est rendu 8h30. J'ai scrollé sur mon cell pendant genre 20 minutes. J'aime pas ça quand je fais ça. Les derniers jours, j'ai été plus portée à scroller. Je sais pas pourquoi, faudrait que je porte attention. Qu'est-ce qui fait que je scrolle plus les derniers jours? On va dans la douche, best moment of my day. Je mets
je pense que je vous l'avais déjà dit, mais que je mets mon sel dans un sac Ziploc, genre dans la douche, pour pouvoir continuer d'écouter mes émissions. Ben, en fait, c'est pas parce que je suis accro tant, c'est plus parce que j'aimerais bien ça, tu sais, prendre un bain et tout, mais j'ai pas de bain. Fait que le moyen de relaxer, c'est le moyen, c'est comme ça, c'est en écoutant mon émission dans la douche, puis genre, je ferme les lumières de ma salle de bain, j'allume ma bougie favorite de Aura, by the way, Eucalyptus Menthe. Si vous avez jamais essayé les chandelles Aura, puis que vous hésitez, puis qu'il y en a une qui vous tente, celle-là. J'ai un code promo dans la description, ça me donne absolument rien, mais ça vous permet d'économiser sur les chandelles Aura. Puis parlant de code promo, je me fais tout le temps demander, puis pourtant j'ai l'impression de vous bombarder là, avec ce code-là, mais sérieusement, il y a une journée, non, peut-être pas une journée, mais plusieurs fois par semaine, je me fais demander mon code OMI, parce que comme vous savez, tous mes produits, c'est OMI, on en a ici, on en a dans la douche, j'en ai d'autres ici, ils sont toutes là. Mais oui, mon code OMI est actif en tout temps. Des fois, mettons quand il y a des promos particulières, mon code ne s'appliquera pas, mais à ce moment-là, j'ai souvent une suggestion, si vous m'écrivez en privé, pour avoir accès tout de même à quelque chose d'intéressant. Puis c'est ça, mon code, c'est Camille20. Fait que d'ailleurs, c'est mon code que vous utilisez le plus, puis ça me touche vraiment, parce que si je peux vous faire connaître une compagnie, make it OMI. Genre, sérieux, vous le savez, là. Ceux qui sont là sur ma chaîne depuis le tout début, c'est-à-dire bientôt 2 ans, mais vous savez que j'ai un amour profond pour OMI. Fait que, écoutez, je vais aller sous la douche, relaxer. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va terminer ce petit vlog. Je suis quand même assez fatiguée. Puis là, c'est pas sûr que je vais aller chez Marie demain. En tout cas, je vais vous keep update éventuellement, mais je sais qu'elle a parlé, elle a eu un rendez-vous médical tantôt, puis qu'elle a parlé avec son médecin, puis que peut-être que la situation va s'alléger, non, en tout cas, qu'ils vont restreindre les restrictions, ils vont alléger les restrictions, voyons, pour qu'elle puisse être seule des fois, sous certaines conditions. Fait que je vous tiendrai au courant de près ou de loin dans les vlogs à venir. C'est sûr que, comme je vous avais dit, je rentrerai pas dans tous les détails. Mais c'est sûr que vous voyez que ça a comme affecté mon quotidien, là. Fait que c'est ça. J'ai tellement hâte de rencontrer son petit bébé, mais en même temps, je suis comme pas tout de suite. Genre, je veux te rencontrer vraiment, genre, aussi rapidement que possible, mais pas tout de suite. Parce que pour ceux qui ont manqué dans mon dernier vlog, ou mon avant-dernier vlog, je vais être la marraine de son bébé. J'en reviens pas encore, sérieux. Avec tout ce qui s'est passé, on dirait que j'ai pas eu le temps d'y repenser, mais genre, j'en reviens pas. Je pourrais pas être plus blessed. Genre, j'en reviens pas. Fait que sur ce, je vais conclure ce vlog. Je vais aller prendre ma douche parce que je vais me coucher pas trop tard. Fait que j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que j'ai les cheveux jaunes. Mais je pense que cet éclairage-là, c'est pire, là. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Puis on se retrouve dans un prochain vlog. Bye tout le monde!